Bonsoir, vous voyez, il fait noir. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le kit Diamond Painting. Donc voilà, j'ai rangé toutes mes perles. Voilà, c'est fait. Oui. Donc j'ai dû en mettre un petit peu là, dans la deuxième. Là c'est de l'ancien kit, hein, mais ça fait rien. Là, il y a Fifi qui vient vous dire bonjour depuis. Oula, ça fait un moment que vous ne l'aviez pas vu. Et là, aujourd'hui, donc, on est encore le 2 septembre, le jour où je vous filme la vidéo. Et donc, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Voilà. Elle a 5 ans. Alors, viens dire bonjour pour que tout le monde te dise bon anniversaire. Non? Regarde. Hein? Donc aujourd'hui, elle a 5 ans, mes mères. Ma Fifi, elle dormait. Hein. Comme d'habitude, vous voyez, elle n'a pas changé quand elle entend le mot vidéo. Elle arrive. Allez, hop, maman, elle va tomber par terre. Alors, donc, je disais, voilà. Donc, j'ai rangé toutes les perles, comme je vous avais dit. Ça va être compliqué avec elle parce que là je suis en bas et donc je vais vous montrer comment on attaque le tableau de Diamond Painting. Et donc là par contre il va falloir vraiment que je la mette à terre parce que là comme le tableau ça colle. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Elle est couchée dessus. La maigresse. Mais oui. Allez, je vais descendre mon bébé. Hop. Donc, en même temps, je vais essayer du coup le nouveau stylo là que j'ai eu en cadeau. Je vais voir ce que ça donne. Donc, avec le petit plateau, le petit pain de colle. Et Fifi qui ne va pas arrêter de monter. Bon, donc là, je vais changer la caméra de. Enfin, le téléphone. J'ai le droit à un bisou. Je vais changer l'axe du téléphone pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Et je vais changer l'axe de Fifi aussi. Voilà. À tout de suite. Donc voilà. Alors j'ai dû faire une installation pour que vous puissiez voir de très près. Donc on va essayer que Fifi ne vienne pas surtout. Donc voilà, je vais commencer, moi, comme je vous ai dit. Non, Fifi, descends. Allez. Je vais commencer à gauche, puisque moi, je suis droitière, donc à gauche, en haut. Donc voilà, je vais commencer comme ça. Alors moi, ça me fait des... Et donc, le premier, ici, vous voyez... Là, donc c'est un triangle. Donc je vais prendre ma feuille. Je verrai mieux, je pense. Donc le triangle jaune dans le teint. Donc c'est le numéro 5. Vous voyez, le numéro 5 est ici. Voilà. Donc c'est le 350, numéro 5, ça commence par du noir. Voilà, vous voyez. Donc je vérifie bien sur ma zone. Je vous montre, désolé, je vais devoir bouger, hein, mais que je n'ai pas d'autres triangles.
voyez. Alors, le numéro 5, je vais aller chercher dans ma boîte. C'est pas le... ce que je dis, moi, numéro 5, non, c'est pas le... C'est le 350, c'est pas le noir. Pas du tout. 350, c'est celui-là. Bon, je vais en mettre un petit peu dans mon plateau, je vais vous montrer. Voilà. Oui. Et donc, on secoue un petit peu pour que ça aille dans les rainures. Voilà, comme ça. Ici, donc, le petit bout de... Le petit carré orange, enfin rose. Donc, une petite pellicule. Je vais essayer avec cette pointe. Pour moi, là, c'est nouveau. Donc, on va essayer avec ça. Donc c'est comme si on mettait un petit peu de colle au bout de la pointe. Voilà. Et voilà, je vais piquer. Alors moi je suis en reflet là, donc ça va pas être facile. Alors je sais pas si... La petite pointe va aller bien pour moi, je n'ai pas l'habitude. J'ai pas beaucoup l'habitude avec la petite pointe. Bon, ça va. Ça va aller. Donc voilà, j'ai réinstallé un petit peu, j'ai mis ma tablette lumineuse en dessous parce que je ne voyais pas assez clair. Donc je vous remontre maintenant comment on fait. Voilà, maintenant je vois mieux. Donc sur mes petits triangles. Voilà. Donc après, je vais changer de couleur hein, pour que vous puissiez voir. Un triangle, je cherche un triangle. Est-ce que... Ah, mais j'en ai pas assez. J'en ai encore un là. Désolé, il n'y a peut-être pas assez de lumière là, mais du coup, avec la tablette. Voilà. Donc, vous voyez, quand il y a comme ça, on va changer la couleur. Donc, du coup, avec le petit plateau, c'est assez facile. Hein. On va essayer de ne pas en mettre à côté. Vous voyez. Hop. On n'a plus qu'à refermer. Et à remettre donc une autre couleur. Donc là, on va faire ce qu'il y a à côté. Donc il y a des petits soleils. Hop. Alors, je vous montre, voilà, les petits soleils ici. Donc, moi, je vais chercher le petit soleil ici, c'est le 31. Donc, le 31, c'est celui-là.
Et on continue. Voilà, oui. Bon, je sais pas si je suis une grande. Je crois que c'est parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de stylo. Voilà. Je vais de vous montrer de plus près. Alors, je vous refais une couleur. Et après, je vais avancer. Donc, je vais vous faire l'avance rapide. Hein, parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Pour vous montrer bah, comment on avance sur le travail. Donc là, on va prendre celui-ci. Là, le petit dièse. Alors, le petit dièse, c'est le 23. On va remettre un petit peu de pâte au bout du stylo. Voilà. Et on y va. Alors, il faut toujours faire attention. Je ne sais pas si vous allez voir. Que ça va faire le point, je ne pense pas. Sur mon doigt, vous voyez, il y a un côté plat. J'arrive pas à faire le point. Alors, il y a la perle, il y a un côté bombé et un côté plat. Bien sûr, le côté plat se met sur le papier. Hein. Là, je vois qu'il me reste un triangle. Je n'ai pas vu tout à l'heure, mais c'est rien. Je le rajouterai après. Allez, on va accélérer.
petite partie. Hein. Bon, je ferai un peu plus la prochaine fois, mais là, bon, je vais vous montrer déjà comment ça va se passer. Je vais vous montrer un peu près. Voilà, donc si vous avez des questions, en attendant, je vais vous remettre le téléphone droit, ce sera plus simple. Donc voilà, je suis revenue à vous. Donc voilà, vous avez déjà vu une petite partie, comment ça se passait. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous me le dites. Ce que j'ai oublié de vous montrer, ben, c'est que moi je rabats le papier, hein, sur la partie que j'ai déjà collée, donc j'ai déjà mis les perles, le papier je le remets, hein, comme je vous ai expliqué, je ne l'arrache pas. Et je sais pas, j'ai un chien qui pleure, mais je sais pas où il est. Sinon voilà, donc je vous montrerai un petit peu à la fois l'avancée du tableau, et je vous montrerai certainement en même temps quelques petites astuces en le faisant, voilà, pour travailler mieux votre tableau, pour mieux vous préparer. Voilà. J'ai trouvé qui c'est qui pleurait, c'est pas ça. Il est toujours en train de me mordiller, lui. J'ai toujours fait me mordiller. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Je vous montrerai. Donc, je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Dites-moi aussi si vous êtes vraiment bien intéressé de voir la suite. Bon, je la ferai, hein, la suite. Mais bon, je vous ferai des parties rapides là, pour vous montrer. L'évolution du tableau, et sinon bon, vous faire des vidéos sur certaines choses. Bon, sur le diamond painting, bon, il n'y en a plus beaucoup à faire. Bon, je vous montrerai la prochaine fois avec la tablette lumineuse si vous souhaitez. Les perles, je vous ai montré. Voilà, bon, il n'y a pas énormément de choses. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous expliquerai ce que vous voulez savoir. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous, bisous. À bientôt. Ah, il y a Fifi qui vient vous dire au revoir. Voilà. Tu veux dire au revoir? Oui? Tu veux nous dire au revoir? Oui. Allez, ciao! Bisous, bisous! Allez, à la prochaine!